Alors la résidence Festivini, c'est une résidence artistique organisée par l'abbaye royale de Fontevraud en collaboration avec le syndicat des vins de Saumur. Donc c'est une résidence qui se tient sur un mois au sein de l'abbaye royale de Fontevraud. Je suis originaire de la région de Tours, mais je vis à Paris depuis plusieurs années. Je suis issu d'une formation en art graphique et en design publicitaire que j'ai effectuée à l'école Pivot à Nantes. Alors, ce qui m'a beaucoup plu dans le principe de cette résidence, c'est que, bah, avant tout, elle se tient entre les murs de l'abbaye de Fontevraud, qui est un lieu vraiment majestueux et qui dégage vraiment quelque chose de particulier. Moi, je travaille avant tout le dessin à la main, beaucoup noir et blanc, graphite, enfin, très simple. Où je vais chercher du détail, chercher de la texture. La couleur, je la travaille par la suite avec des techniques digitales. Donc je ne touche pas au dessin, je ne modifie pas, je ne mets pas de peinture ou d'aquarelle dessus. C'est quelque chose que je vais travailler essentiellement via des logiciels. Ce qui me permet aussi d'essayer beaucoup de combinaisons de couleurs, beaucoup de patterns, de formes qui composent ensuite l'image finale. Les activités et les événements autour de Festivini. Donc pour cela, je vais beaucoup travailler sur tous les supports de communication. Il y a aussi la cuvée spéciale de Fontevraud, donc avec quatre packagings de bouteilles que je vais réaliser en 2017 et qui seront disponibles fin de l'été. Et il y a aussi l'exposition qui durera un an sur Fontevraud. Donc c'est un travail qui va se poursuivre pendant encore quelques temps.